Aujourd'hui dans Secret de Pilote, on va parler d'un sujet qui fait mal. Tabou pour certains, mais qui pourtant fait partie des risques de la moto. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chute. Mentalement, on sait aujourd'hui qu'on fait un sport à risque. Donc la chute, elle fait partie de notre sport et il faut l'accepter quand elle arrive. Quand on veut rouler vite, essayer d'être devant et tout ça, forcément on va prendre des risques. Ça fait partie du jeu, ça permet d'apprendre, ça permet de trouver ses limites. Une chute, ça se prépare en amont, c'est-à-dire par le travail sportif. Au plus on est renforcé musculairement, au plus on est tonique, au plus on est échauffé avant de monter sur la moto, au plus on prépare son corps à une éventuelle chute. Et les petites chutes, c'est important quand même parce que ça permet de voir la limite. Mais je pense que surtout quand tu es un jeune pilote, tu es un petit peu obligé de passer par cette étape-là où il y a des week-ends où tu t'en prends une, deux, trois. Moi, je suis passé par là. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que je chute beaucoup moins maintenant. La chute, ça nous retarde sur notre plan de séance, sur nos réglages de moto. Donc c'est un temps qu'on veut récupérer après. Donc je pense que c'est une source de motivation pour rattraper le temps perdu.